サボリ検索、そしてスペザニア、イエイエイエイエイ。夢を歩くんだ、空を仰ぎながら、ハートを包み込む街に別れを告げる。ああ、幾万五年を果て、時が離れていても、ああ、明日の二人の夢は宇宙の闇を越える。For more, moving the sky, shooting the shoot, right, and dreaming the moon, and again, living again. Now, darling, darling, yeah. Et bonjour à tous, c'est la petite vidéo qui bug, hein. Ah, ça c'est le truc du matin. Alors j'espère que vous allez bien, hein. Là ce matin c'est l'odeur de la cendre, donc l'émission sur les jeux d'arcade qui n'ont jamais trouvé leur porte d'entrée vers les consoles. Ceci étant, ce matin on va comprendre très vite pourquoi. Excusez-moi, je change, voilà. Ça bugera moins celle-là. D'ailleurs depuis ce matin j'arrête pas d'avoir des problèmes, et c'est peut-être dû à l'éditeur que j'ai choisi. Et l'éditeur que j'ai choisi, vous avez déjà une idée c'est qui? Enfin, si vous me suivez sur Twitter, sur Facebook, bien sûr que si, vous avez deviné. D'ailleurs, petit conseil, suivez-moi sur Twitter et Facebook, vous le saurez à l'avance. Et en fait, ce matin, on se consacre à Atari. Alors, contrairement au générique bien swag qu'il y avait au début, hein, la boîte Atari est un petit peu... Comment dire ? Dans les années 90, c'était, comment dire, c'était peut-être la pire des boîtes de jeux vidéo qui existait au monde. Et encore, je ne dis pas ça pour la Jaguar. Et pas pour la Lynx. Mais je dis ça pour tout le reste. Ah. Déjà la Jaguar, je peux vous dire que la Jaguar, c'est le haut du panier par rapport à ce qu'on va voir ce matin. Ah. Là, ce matin, c'est... Comme je vous ai dit sur Twitter, c'est un petit peu le jeu vidéo qu'on va assassiner, quoi, ce matin. C'est vraiment une ode à la fin, une ode au... à ce qu'on peut faire de pire en fait en arcade. Ouais, j'hésite vraiment pas à dire ça, quoi. Et donc on va se faire une petite rabée, hein. Salut Seiko, salut Romy, salut KLC, hello Darklo, salut SNZ. Je vois qu'il y a déjà du monde ce matin. Ah non, mais Atari a déposé le bilan plusieurs fois dans sa life, hein. Faut-il savoir à quel moment et de quel Atari on parle? Là on parle de l'Atari des années 90, il avait déposé le bilan, je crois, hein. 2000 ou 2002? Enfin bon. Quand il s'était fait racheter par Jacques Tramiel. Non. Ouais, attends, c'est Jacques Tramiel? Non, c'est pas Jacques Tramiel. Comment il s'appelle, celui de Atari France? Enfin, il avait racheté. Oh, c'est pas grave, c'était Infogrames. Infogrames qui voulait se racheter une conduite en rachetant Atari et en prenant son nom. Mais ils connaissaient pas la malédiction Atari? Enfin, on leur a jamais dit que Atari c'était synonyme de perte, de. Enfin bon, c'est. Perte, mauvais jeu, etc. Enfin bon, c'est... Tout le monde est au courant quand on est joueur. Enfin bon, c'est... Voilà, quoi. Comment dire? Bah, la question de racheter Atari, justement, c'est racheter une image de marque, quoi. Enfin, bref. Ce n'est pas grave. Essayons de lancer les jeux, parce que ça aussi, ça a été assez swag ce matin. Hein. Ça a été magnifique. Alors, la musique.
Le seul truc sympa que vous allez entendre ce matin, je viens de l'effacer. Allez hop, on y va. California Speed. On va essayer ça. Oh. Ah mais génial quoi. La capture qui fait des siennes. Alors, on va le refaire à la main, hein. Décidément. Rien ne marche comme prévu. Alors, ajouter capture et capture de la fenêtre. Ah, c'est ça, capture de la fenêtre. Ok. C'est bien celle-ci. Et on va dire OK. Alors, éditer la scène. Ah non, mais ce matin, ça va être le stream de la malédiction, moi je vous le dis. C'est même pas moi qui l'ai décidé. On y est. On y est, on y est. Et alors, qu'est-ce que ça me raconte sur le chat? Déjà, toi, tu vas aller ici. Oh, mais oui, la malédiction continue. Oui, Data. Mais oui, Data. Il a suffi que je place la fenêtre pour que tout disparaisse. Ah. Oh, génial. Vous venez de voir mon Twitter. Non, mais franchement, là, c'est... Non, 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 non. Il fallait vraiment pas que je stream ça, quoi. Non, non. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Il me manque ça, le caster tool. Tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qui me manque d'autre? Ah, bah, évidemment, il manque ça. Et il me manque le chat aussi, parce que le chat a disparu. C'est merveilleux. Ah, pauvre Data. Et pourtant, j'ai préparé l'émission. Hein. Je l'ai préparée pendant la nuit. La nuit que j'ai consacrée à ne pas dormir. Parce que bon, entre le temps, la chaleur, enfin bref. Je vous raconte pas, ce fut les grandes eaux dans mon plumard. C'était magnifique. Donc, allons-y. California Speed. Alors, pourquoi n'est-il jamais sorti sur console? Est-ce que déjà, il faudrait-il déjà qu'il se lance? Allez, lance-toi. Ouais, on y croit? Il y a un bout. Oh, setting et prom, default values. Ok, si tu veux, on s'en fout. Networking disabled. Oh, que c'est dommage. Il y a des cinématiques. Eh ouais! En plus, ça a pris de la place, hein. Je vous raconte même pas, quoi. Je crois que celui-là, c'était 1 giga à télécharger ce matin, c'était magnifique. Oh, un petit jeu de voiture, j'adore ça. Ça va être le pif gagnant, hein, je vous assure. Voilà, la liste de lecture est là, tout va bien. Alors, même déjà le son se barre déjà en cacahuète, quoi. Le drapeau californien avec son ours. Marfa, hein, bonjour à toi. Hein. Ah. The fastest. Ok, s'ils veulent. Déjà, hein, ici, tout a été prévu pour que ce soit volant, donc tout marche mal. On va mettre en easy. Voilà, Silicon Valley. Peut choisir sa voiture. Waouh. Ah, on va prendre ça. Ouais, ça ressemble à une Ferrari, on prend. Il est moche celui-là? Avec KLC, il va falloir s'habituer, ils sont tous ultra méga laids. Là, celui-là, je crois que ça doit être un des plus beaux. Oh merde! Tout part en couille! Même la Racing Queen, elle est partie en couille! C'est moche! Ah, là, je vais souffrir, quoi. Je salue le joueur du grenier hein, qui fait ça régulièrement, mais sur un seul jeu. Ce matin, on en a au moins 8 à faire. Donc ça va être merveilleux. C'est un joueur grenier ça. Ouais, non mais il devrait s'essayer à ces jeux-là, hein, parce que... Je crois que l'on n'a pas fini de trouver des jeux pourris dans le catalogue Atari. Et encore que celui-là... C'est pas le plus pourri de tous.
Oh là là. Ah, faites un petit F5, hein, nous avons eu une déconnexion. Alors ça, c'est la moindre des choses qui pouvait arriver encore ce matin. On a tout eu ce matin, vraiment. Alors, excusez-moi, je me racle un peu la gorge. Faut faire F5. F5. On y retourne. Oh non mais... Tout a tué le stream. Voilà, bon bah j'espère que vous avez pu récupérer le stream parce que... Moi je suis vraiment aux anges avec ce jeu. Réellement là. Oh merde. Un peu raide, hein, la maniabilité, mais bon. Ils arrivaient guère à faire mieux à l'époque. Tu trouves qu'elle tourne de manière raide? Ah, elle tourne de manière très raide. Oh, oh, le couloir façon années 60, quoi, sous LSD. Eh les mecs, faut arrêter, quoi. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Des circuits imprimés? Bon, s'il y a des jeunes dans la salle, hein, la drogue c'est mal, l'alcool c'est pas bien, et en voici la preuve, on sait pourquoi. Faut pas, hein, ah, il faut vraiment pas s'essayer. Hein. Ah, mais dans Mario Kart, on comprend, là c'est des vraies voitures, censées se passer en Californie. Là t'es juste dans un trip sous LSD, quoi. Putain, non mais les Racing Queen quoi. Congratulations, hein, tu as fini la race. Oh. Dégueulasse. On va essayer une autre course. Hein. On est passe après. On est des vous. Ah ouais, en plus ça bouffait... Oh non... Bon, on va prendre Advance, hein. Apparemment on n'a pas le choix. Eh oh. Ok, San Francisco. Et salut Lexamilk. Allez, avance. Et là, je contrôle rien. Ok, tout va bien. On va commencer à contrôler. Et salut, Warrior. Et c'est ça, leur côté Advance? C'est parce qu'ils rajoutent des petits trous? Ok, s'ils veulent. Ah, mais on va en rediscuter du level design avec eux. Hein. C'est... Comment dire, fantaisiste? Au minimum fantaisiste? Et puis les musiques, hein. Je suppose que vous n'entendez pas bien. Parce que hey, les musiques sont ultra basses et j'y peux rien sur ce coup-là. Eh ben, elles sont dégueulasses. Oh, des voitures qui volent. Ok, s'ils veulent. Oh là là, oh mon dieu. Oh, puis les voitures accrochent à la piste, pire qu'une merde sous la chaussure d'un passant, quoi. Ah. Et salut Shrapnel. Ce matin, je vais être un petit peu en mode rage, hein. Vous inquiétez pas. Oh mais cette physique. Mon dieu.
gros merde. Bon, souvenez-vous des pires jeux de bagnole de la génération actuelle, dites-vous qu'ils sont tous meilleurs. Tous. Vous pouvez me citer autant d'exemples que vous voulez, ils sont tous meilleurs. Tous. Paris-Marseille Racing ou bien... Ah, je peux t'assurer que Paris-Marseille Racing est meilleur. Ah, très honnêtement, on est dans un truc plus que fini à la piste, quoi. Et dire qu'il y avait des gens qui payaient pour acheter ça, pour jouer à ça. Même pas pour l'acheter, parce que c'était en arcade, quoi. Qui va acheter cette merde? Ah, si, peut-être celui qui l'a dumpé. Waouh! Pauvre de lui. Encore? Waouh! Non mais je crois qu'on va changer de jeu, hein. Je sais même pas l'heure qu'il est, alors quelle heure il est, il est 20. Ah, le seul problème c'est que ça va me donner un petit jeu à 10 en 10 minutes. Non, on va encore rester là-dessus jusqu'à la petite pause pub. Le temps de refaire ce circuit qui est le plus dégueulasse de tous. Oh non mais Seiko, mais moi aussi j'ai très mal dormi cette nuit. Il fait un temps vraiment dégueulasse quoi. J'ai dû dormir une heure tiens, à tout péter. Ah puis j'avais pas vu cette histoire de radar en dessous, à quoi il sert? Non mais moi j'ai connu des jeux de merde mieux faire. Le joueur du grenier se plaint, mais là, on atteint des sommets. Et salut Stax! Alors excusez-moi parce que je suis en train de mourir aussi à côté de ça, hein. Je vais passer mon petit micro plutôt que de mourir en direct. Et salut SWAT! Ils l'ont codé avec les pieds. Pff, même pas sûr qu'ils avaient assez de stock de pieds pour faire un truc pareil. Ah, c'est infâme. Et c'est le dessus du panier de ce qu'il va y avoir ce matin. Hein. Vraiment. Donc profitez, hein. Ça va aller de mal en pis. Mais je commence à vous connaître sur le chat. Je sais que vous vous délectez de la souffrance des gens et que vous allez adorer. Voilà. Et voici le triple SD. Bienvenue. Salut. Et salut Bialolino. Bien ou bien comment vous dire qu'aujourd'hui on assassine le jeu vidéo et c'est en direct. Et c'est sur la MTV3. C'est Data Reaper. Avec son couteau et ses longues dents. Du caca, du jeu vraiment pourri. En même temps, je l'ai un petit peu cherché aussi. Hein. L'odeur de la cendre, toutes les semaines trouver un éditeur et chroniquer tous les jeux qu'il faisait, etc. Au bout d'un moment, j'allais tomber sur un os. Hein, et puis là, en raclant les fonds de tiroir, c'est même plus qu'un os. Mais franchement, Data, tu mérites pas ça. Ah, mais au bout d'un moment, je t'avais dit, Seiko, hein, là, on racle les fonds de tiroir. Ah, quoi. Fonds de tiroir, et là, c'est jeu de merde. Cinématique, tout ça, comment ça? Il fallait mettre 3 pièces là-dedans pour jouer. Plus, il était cher, quoi. Non mais l'abus total.
Bon. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va se prendre une petite pub, et avec de la chance. Hein, et salut The Warrior! Et avec de la chance, cette pub elle va pas bugger, ou en tout cas pas complètement, parce que depuis ce matin, c'est plutôt instable hein, ce qui arrive là. On est vraiment sur un mode. Ça ne marche pas très bien. Et donc, on va lancer la pub, et on se retrouve d'ici 2030 et on change de jeu. Hein. Ça outrun du gitan. Ah ouais, non, mais c'est complètement ça. Bref, allez hop. Et instant pub. Mais au moins pendant l'instant pub, j'ai pensé à vous. On a mis de la vraie bonne musique. Contrairement à ce qu'il y a là. Ah, bonjour à toi Belcor et rebonjour tout le monde. Hein. J'ai vu Belcor popper durant la pause pub. Donc on est bien sur l'odeur de la cendre, c'est bien les jeux Atari. On n'est pas franchement bien parce que les jeux Atari de cette époque-là, c'était dégueulasse. Et vous êtes bien avec Data Reaper. Si vous voyez un quelconque remake de Joueur du Grenier ou de la VGN, ce n'est pas un problème. C'est vrai. On est là pour souffrir. Bon, prochain jeu, ça s'appelle Beathead. Bon, avec un nom pareil, ça ne pouvait pas s'inventer, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Alors, on appuie sur Start. Ça commence bien. Ah oui, c'est ce truc-là. Regardez-moi, c'est cinématique. Hein, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Et après, vous allez me demander de quelle année il date. 98. Ouais, ça me laisse sans voix. Oh my goodness. Alors, il y a du son là ou pas? Ah, y'a un peu trop de son là. Les effets de morphing. On adorait ça.
les années 90 dans toute leur splendeur, dans tout ce qu'ils ont pu produire de pire. Alors là, il faut vraiment que je baisse le son à fond, sinon c'est dégueulasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là, mais même le... Oh là là, mais... Les contrôles sont dégueulasses. Le jeu, on n'y pige rien. J'ai gagné, je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, mais on y est, hein. C'est tout ce qu'il faut pour un jeu de merde. Ah. Et on peut jouer à deux, hein, hein. Genre, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre. Histoire de se dire qu'il y a assez de fous dans la salle. Oh là là! Salut Swat! Ah oui, non, je t'avais déjà vu tout à l'heure. Mais salut quand même! Oh là 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 là! Quelle honte! Moi j'en regrette les jeux d'Avilex, hein! Oh, cette bousasse infâme! Ah non, mais Billy Rington, on va garder ça pour les grandes occasions. Alors en plus, c'est en perspective, hein, alors c'est... Mais foutez-moi Cactus dans le cul plutôt que de jouer à ce jeu. Oh merde, c'est Ico. En fait, si, j'ai plus ou moins compris comment je gagne. Il faut que je rattrape tous les trucs jaunes. Que je saute dessus. Mais la maniabilité est juste dégueulasse. Tout comme les musiques et les bruitages. Et les graphismes d'ailleurs, hein, c'est... Ah, je me suis fait battre! Non mais... Je suis pas sûr que je vais résister longtemps sur ce truc. Non. Décidément, tu vas pas le faire, toi. Hop, on l'arrête, hein, parce que non. Au bout d'un moment, vous voyez, même Data a ses limites, quoi. C'est une chiasse, c'est infâme, c'est dégueulasse. On change de jeu. Et salut Doc Bomb. Et salut Dédé. Tu as de grosses lignes vertes et des grosses taches roses. C'est pas compliqué, tu vas sur... Tu cliques droit sur ton image. Ensuite, tu fais désactiver... comment ça s'appelle? L'accélération matérielle. Et ça devrait rouler. Ah, les jouets de Dailymotion en plus. Alors, on va se mettre un truc qui s'appelle Sparks 1992 et dans la place. Alors, qu'est-ce que ça va être ce truc? Pois kiffe trop ce jeu. Et salut à toi, Pois. Ah! Faire une émission spéciale bon jeu? Bah, pour ça, j'ai le Saturn Tour KLC. Y'a que des bons jeux sur la Saturn. C'est connu. Ah oui, ce truc à la Frankenstein.
Salut. On veut surfer sur la vague Tetris et compagnie, on sait pas faire de jeu. Et il a une voix de Mario, hein, attention. Alors, j'augmente le son, histoire que vous l'ayez aussi. Alors, voilà. Il y a du liquide rouge du côté gauche, il va falloir l'emmener du côté droit pour éliminer les lignes. Trop bien. Est-ce qu'il vous aurait pu mettre un petit peu de difficulté là-dedans? Je sais pas. Oh merde. Alors, on a éliminé la ligne. C'est génial, hein. Ça vous donne envie? Hop. Ah. Oh. Allez, on fait n'importe quoi, on s'en fout, on s'amuse. Oh là là, non mais non quoi. Et puis vous entendez la musique de fond, hein. Très honnêtement, je crois qu'on a rarement trouvé mieux. Dans le genre passe-partout, dégueulasse, il ne se passe rien. Oh, it's alive! Oh, oh, it's alive! Ah, ce qui est pas alive, c'est le gars de l'autre côté de la manette, hein. Ah, tiens, je viens de faire une connerie. C'est pas grave. Les conneries, ça se rattrape. Enfin, je suppose. De toute manière, la plus grosse connerie, ça a été d'allumer ces jeux-là, Data. Hein? Ah là, t'as vraiment ouvert la porte au grand n'importe quoi. Alors qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça va être encore n'importe quoi. Et on va y arriver quand même. Alors, comment est-ce qu'on va faire là? Ah, et voilà, j'ai encore gagné. Trop simple. Ouais, c'est quoi les flèches là? Ah oui, d'accord, s'ils veulent. Oui, c'est ça, détruis-moi tout ça. Ouais, truc qui sert à rien. Mais le pire, c'est qu'il va falloir que l'on tienne jusqu'à midi avec tous ces jeux. Et j'en ai pas 150. Et dire que ça fait 46 heures que j'ai pas dormi, Doc Bomb. Ouah, mon pauvre. Moi j'ai dormi une heure, mais Oh là là. Bon allez, je sais pas ce que je fais n'importe quoi et je m'en fous. Ha. Ouais effectivement, ouais. Moi aussi j'ai tendance à pas trop dormir. Et plus ça va, plus ça accélère, hein, tout va bien. Je crois que ça va être... N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le chat, hein. Si le jeu vous plaît, si vous êtes prêt à l'acheter, si vous allez faire une pétition pour que ça sorte sur console un jour. Parce que là, il mériterait, hein, moi je le pense sincèrement. Ça mériterait que d'autres personnes s'ennuient à mort dessus. Comment ça, Ono? Eh, ça va, eh oh! T'es dans le jeu, tu pourrais au moins essayer de le vendre! Une sécheresse vidéoludique, poids quand une version HD? Et si tu fais se rejoindre le bleu et le rouge, eh ben ça efface la ligne! Ah, t'as dû louper un petit truc! Mais ça efface la ligne, ouais! En gros, c'est un Tetris mal foutu, mais c'est un Tetris quoi! Thank you.
et une pâle copie de Tetris encore. Voilà, et on efface la ligne. Dédé, tu trouves ça sympa? Waouh! Ok, il en faut pour tous les goûts, mais là ça me dépasse un peu. Parce que là, dans le genre pas terrible, ça se pose quand même là, quoi. Et encore, c'est vrai que c'est quand même moins dégueulasse que le jeu de bagnole de tout à l'heure. Ou que le jeu de saute-mouton. Oh merde, je me suis auto-bloqué. Oh, c'est moche. Non mais il m'ennuie ce jeu, il m'ennuie, ça y est, il m'ennuie. Ça y est, je m'emmerde. Et salut Abélie. Ah bah oui, là je me plains, hein. C'est de la chiasse. On est sur Atari, tout va bien. Ouah. Ah mais le concept n'est pas mauvais en soi, hein. Mais bon, l'application, la copie, tout ça, enfin bon bref. Bref, tu ne vas pas rester. Ah oui, puis une de ces musiques, une des meilleures musiques de tout le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Et Guardian of the Hood. Oui, parce que boys, ils sont dans les hoods, hein. C'était aussi la mode à l'époque, ça. Hein, les cités américaines, tout ça, tout ça. Et le son est un peu fort aussi. Center City. Oh là là, ils sont musclés, ils sont baraqués, ils sont moches. On va s'amuser. Ah là, on est complètement dans la motion capture. Hein. C'est que de la boulette. C'est de l'amour tout ça. Ouais. Recycle it, non trash it. Comment voulez-vous que je recycle ce machin, moi ? On peut pas le recycler. Et par contre, je veux bien jouer, hein. Eh oh! Je t'ai mis deux pièces dans le... Ah, enfin on peut jouer! Je sais même pas ce que je vais faire. Le bouton start ne marchait pas, hein. Chie-lui dans le cou. Merde. Voyons voir la fille. En général, c'est le moins dégueulasse dans ce genre de jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce Joker qui aurait copulé avec Michael Jackson, quoi. Non mais non! Attends, c'est un jeu de baston, c'est quoi? Ah ouais, ouais. Oh, on est bien dans le clone, hein? Waouh! Oh, mais quelle souffrance la musique! Non, non, mais... Ah, c'est un beat'em all! Ah, c'est original! Qu'est-ce que tu faisais, là? Ah, mais à l'époque, quand t'étais en arcade, tu posais pas la question, quoi! Ah, les graphismes sont réalistes, il faut y jouer.
Et tu parles d'un réalisme. On peut même pas courir. Pourquoi elle se met à quatre pattes à chaque fois qu'elle se fait toucher? Et puis quand je dis à quatre pattes, c'est... C'est position qu'à te faire en l'air, quoi. Enfin, ouais, bref. Oh, la force de la moustache, quoi. Jette-lui une vieille à la gueule. Game over? Oh, attendez, attendez, on va recommencer. D'autant... Oh là là, le bouton sort n'existe pas, c'est avec le bouton bloc. Génial. Et on va prendre Javier. Je suis sûr qu'il est fort, lui. Ah non, mais je sais, toi. Non, mais Joker, là, ça va, quoi. Fighter à côté est une merveille, hein. Je tiens à vous le signaler. Une merveille autant technique que ludique. Et on peut pas sauter, hein, évidemment. Les balais dans le cul, ça empêche de sauter. C'est une conséquence. Aucun coup spécial, 6 boutons utilisés, aucun coup spécial. Non mais lui aussi il se met en position 4 pattes quand on... Ok. Et quand il clignote en rouge, ça veut dire que la barre de vie est basse. Magnifique. Bon alors attendez, on va prendre peut-être la prostitute là. Je sais pas ce qu'il a fait, ok. Alors attends, est-ce qu'on peut l'attraper? Ah quoi? Non mais ça va toi. Oh! Mais c'est que ça sait se défendre en plus. C'est ridicule. Bonjour. Salut! C'est combien? Ah, apparemment faut pas payer, hein! Oh non, mais merde! Oh! Toi, t'as une tête de porte-bonheur, toi! Le mec qui marche baissé, quoi! Genre j'ai trop de muscles, je suis attiré vers le sol, désolé. Hulk version moche et dégueulasse. Attends, est-ce qu'on peut... Non. Non mais, ceux-là aussi se défendent. Oh mais c'est horrible. Tout le monde est plus fort que toi dans cette ville. C'était quoi ce coup de pied dans les couilles en plus? Ouah! Allez! Fais semblant que je te touche! Hitbox pourri! Oh merde! T'es qui toi? T'es l'entraîneur dans Rocky? Oh merde, t'as rajeuni. 1, 2, 3, fight. En plus, il a l'accent. Il a l'accent italien.
Ah, on va battre le rouquin. Ah, viens là. Ouais. Ça va? Puis vous voyez la position 4 pattes, quoi. Je l'ai pas inventé, hein. Comment ça, you lost? Par contre, lui, il arrive à sauter. Je sais pas comment il fait, hein. C'est... Ouah! Un coup spécial! Attends, ça va peut-être marcher, là. Ouais, le coup de bide. Quoi? Attendez. J'ai bien vu qu'il a balancé un éclair d'énergie, là. Un truc à la Guile. Oh, merde. On va prendre Conner. Voilà. Conner. Parce qu'avec Conner, on est bon. Ah, c'est le match miroir. Et lui, il peut sauter. Mais il faut appuyer sur deux boutons en même temps, hein. C'est génial. La balayette. J'ai gagné. Je suis trop fort, je suis trop bon. Et salut, Bligamur. Et salut à toi, Chico. Ouais, oui, Chiki Chico. Allez, viens là. Viens là, toi. Ah mais il nous envoie vraiment un Sonic Boom, quoi. Ça va. Perdu. Ah non, mais on est vraiment en présence d'un des beat'em all le plus dégueulasse de la génération, quoi. Mais là, la question ne se pose même pas, quoi. Ce qu'on avait sur console, c'était de la gagnotte, hein. Ça y est, j'ai gagné. Non, j'ai même perdu. Comment ça, j'ai perdu? Ah ouais, ok, je vois le genre. Ça te coûtait un crédit pour changer de niveau. Non, mais. Il se foutrait pas de la gueule du monde, des fois. Dans le genre mauvais, il se pose là, celui-là. Non mais... Oh! Hé, le Jamaïcain! Viens là, que je te colle une tatane! Non mais ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut ramasser le truc par terre, là? What? Mais...
mais les animations toutes plus schnapps les unes que les autres. Incroyable. Non. Heureusement que la pause pub va nous sauver. Eh oui. Ah non, mais là, je sais pas si vous allez survivre à ce massacre-là, en fait. Hein. Vous parlez d'un massacre dont je suis pas au courant, d'ailleurs. Mais là, le massacre de ce matin... Je perds des neurones, moi, déjà. Je reste devant l'incompréhension sur ce genre de titre. Est-ce qu'il y a eu des bêta-testeurs à un moment ? Est-ce qu'il y a eu des gens pour dire « Non mais, votre bouse là, ça va jamais se vendre. » Hein ? Un Red Bull et un Exomil. Ce mélange, quoi, Seiko. Tu vas pas vivre vieux, hein. Je suppose qu'il faut aller là. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est même pire qu'une arnaque, quoi. En plus, faut payer ta pièce d'un niveau à l'autre. Oh, ce cinéma. Trop bien fait le cinéma. Ouais. Il y avait le dash. Mais avec les autres ça faisait rien du tout. Pourquoi avec lui ça fait un saut? Ah oui, la position soumise. Tu sais que j'aime bien Terrasta, toi. En fait, le massacre est dû à Elton San qui a joué à Kerbal Space Program et les Kerbal on les a nommés avec les membres. Je sais même pas ce que c'est que Kerbal Space Program, mais bon, d'accord. Et me demandez pas comment je fais certains trucs, j'en sais rien du tout moi-même. Ah bah oui, montrez-nous tes muscles. Oh, t'es mignon. Tellement mignon qu'on va rage quitter le jeu. Hop. Et on va se mettre une petite page de pub, hein. Ça va être salvateur. Et non, je ne connais pas Kerbal Space Program. Mais bon. C'est un jeu pour où tu fabriques des fusées pour aller sur la lune. Ah si, ça y est, je m'en rappelle. Si, je m'en rappelle. Elton m'avait fait voir, ouais. Ouais. Ok, donc, un petit instant pub, hein. On va souffler, parce que là, on en pouvait plus. Je pense que vous en pouviez plus non plus. Moi, j'en peux plus. T'sais. Moi, là, c'est... je suis en mode game over, tout ce que vous voulez, mais... Mais là, c'est en train de me tuer petit à petit. Bon, bref. Nouvelle pub. Au moins, on aura de la bonne musique pendant ce temps-là. Allez, à toutes.
Et voilà, on est de retour. Donc, c'est l'odeur de la cendre. Vous êtes avec Data Ripa jusqu'à midi. C'est les jeux Atari et ce stream est maudit. Vous le savez, il est complètement maudit. Donc, du coup, j'ai fait un truc là. Là, on va le faire pour de vrai. Parce que celui-là, je l'apprécie pas. Alors, Kickban, Pigeon Rourou, salut à toi. Alors, et bonjour Flash. Ah, salut à toi, Flashback. Et donc, on va continuer. Sur quoi va-t-on continuer? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah, Batman! Ah, oui, un jeu à licence. Je vais pas péter un câble. Je vais pas mourir. Un jeu à licence. Déjà, sur console, normalement, un jeu à licence, on ne le fait pas. Hein. Alors, imaginez en arcade, par Atari, quoi. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes encore vivant. Hein. J'en ai ban qu'une seule personne, hein. Tout va bien. Batman, quoi. Au moins, on reconnaît le thème. Oh merde, c'est tiré du film. Ah, salut Itmaz. Ah. Ah, c'est plutôt pas mal la musique. Hein. Ah, mais attendez, on n'y a pas encore joué. Attends, KLC. Ah, bah on va le faire consciemment, Belcor. Et on va y aller. Ah, on se met 3 crédits, hein. Dans la famille, on a de l'argent. Press Fire to Start. Ok, c'est original. Be careful. Be careful. Là, je pige pas. Oh là là. Non, là, au moins, ça va. Écoutez. Vu la purge que c'était le jeu de tout à l'heure, là... On est même plutôt dans le cadre de l'acceptable. Alors, certes, il y a que 2 boutons. Certains bruitages sont dégueulasses. Mais au moins on se touche pas pour la maniabilité quoi. Ça va. Ça se manie à peu près correctement. Ouais. Mais juste attendez un petit truc. On va s'amuser, hein, on est 2. Ah, d'ailleurs, si Romy est dans le coin, n'hésite pas à bannir celui que je vais ban encore une fois, parce qu'il va se représenter sous ce nom-là. Alors, et il a un VPN. Ah, en plus. Il s'amuse. Mais on va s'amuser. Mais oui, il y en a carrément derrière moi. Et salut, Nexus! Attends, c'est la Batmobile, ça? Je croyais qu'il y avait des phases en Batmobile, ça aurait été tellement pété. Ah! Ah, ça serait bien, Doc Bomb, mais je pense que je peux donner ça qu'à des gens de M. Ah si, il y a quand même une phase en voiture. Qu'on me donne une machine à voyager dans le temps pour empêcher le jeu d'avant d'exister.
Mais non, ça va, il y a pire. On a vu pire depuis tout à l'heure. Là, on est juste dans le pas terrible du tout. Alors, très honnêtement, on va pas se plaindre. Ah! Ah bah, que voulez-vous, hein, c'est un Batman un peu... Attends... Ah, maintenant, il a des batarangs, d'accord... Pourquoi il en a pas eu jusque-là? Ok... Fire Batrope, ouais, je veux bien... Ah ouais, d'accord... Donc il n'y a que deux boutons et c'est pour ça qu'à des moments clés ils te donnent un... Ok, s'ils veulent. Donc les armes apparaissent en fonction des besoins. Génial. On n'est pas du tout guidé dans le jeu. Hein, c'est... Mais il m'a tué. Ok, il m'a tué. Il m'a tué. Allons-y. Mais. Maniabilité de merde. Parce que pareil, hein, les doubles sauts, ça n'apparaît que quand j'en ai besoin apparemment. Et c'est des scripts à déclencher. Et où est-ce qu'on va le déclencher là? Ah là, ici. Oula. Et non. Ah oui, maniabilité 4 sur 20 là. On s'est fait tuer par quoi? Par des gouttelettes? Ok, s'ils veulent. Oh, génial! Là, au final, il commence déjà à me prendre la tête. Vas-y, tombe dans le chewing-gum. C'était du chewing-gum ou c'était de l'acide? Voilà. Et bonjour, Joker. Parce qu'avec Joker, on fait du jus de fruits. Data, please surrender. Ah non, c'est pas mon intention, on est là jusqu'à midi. On est bon. Oh mais merde, on arrête pas de crever, c'est moche. Oh là là, c'est poussif. Comment on fait là? Oh, oh. Pour ajouter des pièces, c'est ça? Ah ouais. Hein, je sens que je vais le rage quitter. Ok, je vais le rage quitter. Vous avez raison. Il a eu raison de moi. Ok, il nous en reste de moins en moins des jeux. Allez, il nous en reste 1, 2, 3. 3 ? Hein ? Si je continue à faire des rage quits pareils, il va falloir qu'on revienne sur d'autres jeux. Ça va être beau. Hein, ça...
Ah, ça va être génial. Alors, Thunder Jaws. Avec un nom pareil, ça donne déjà envie. Jouer un jeu avec des filles avec des gros seins. Mais attends, c'est Atari, les gars. Ils ont jamais mis des jeux avec des filles et des gros seins, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un jeu de pêche? Ah, il y a une fille avec des gros seins. Ouah! Mais alors c'est super mal foutu, quoi. Oh, ce jeu trop bien fait, quoi. Faites jouer Tata Reaper Super Mario The Lost Level. Mais non, ça va pas. Là, déjà, je joue à un jeu pour Marfa, là. Notre speedrunner officiel de jeu de pêche. Et apprenez l'écologie avec Atari, hein. Butez tout ce qui traîne dans les océans. C'est magique. Oh merde. Contre Atlantis, ouais. C'est ça. Et encore, là, au niveau de la jouabilité, on a vu pire. Pick up a special weapon for power shot. Les bruitages sont géniaux, hein, c'est digne des meilleurs films de... dans ce genre, à savoir, je sais pas moi, Le Grand Bleu. Oh merde, bel corps, quoi. Toi aussi tu mériterais un ban, du coup. Bah évidemment que les requins explosent, c'est connu, il y a des explosifs dans leur estomac, vous le saviez pas. Et pour l'instant on n'avance pas, hein, ça... ça c'est garanti. Tellement bien de tout recommencer toujours en boucle la même chose. Et salut être. Être. Bah ouais, on est passé à un autre jeu. Le chat m'a réclamé un autre jeu. Mais on y reviendra, je crois, parce que là... celui-là est pas possible. Et le Batman était de loin le moins mauvais de tous, hein. Alors qu'il était déjà pas terrible. Oh, mais je sens que ça va être long cette journée. Alors... voilà... mais il va revenir, c'est ça qui va être génial. Il fait chier son monde. Excusez-moi.
Aïe aïe aïe. J'espère que t'as rien de mieux à faire de ta journée, hein, parce que tu fais juste pitié, hein. Et là, je parle à celui qui n'aime pas les roues, apparemment. Ceci étant, on le lui rend bien. Oh mais oui. Enfonce-toi un petit peu plus. Et bref. Bref, ce jeu est vraiment une chiasse aussi, quoi. On est dans le pas terrible du tout. Bon, rage quit. Ouais, alors, continuons. Alors ensuite, j'ai un jeu qui s'appelle Shoes. C'est quoi? C'est un truc avec des chaussures? On va essayer. Alors, on va taper OK. 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 Data, le problème quand t'es supérieur aux gens, qu'ils t'en veulent. Hater gonna hate. Bof. Hitmaz, moi je m'en fous, hein. Il peut s'égosiller, hein. Alors. Pitchin. Waouh. Ah ouais, d'accord, c'est le jeu du fer à cheval. Et ils ont mis des filles avec des gros seins. Et des mecs avec des gros culs. Ok. Ça va s'amuser. Alors. Oh merde. Ah, déjà les bruitages sont dégueulasses. Et la musique est charismatique aussi. T'aurais jamais payé pour ça, t'aurais pleuré, mais je crois que tout le monde aurait pleuré là-dessus. Oh, oh mais les têtes! Mon dieu! Ah, on est complètement présent de tête de vainqueur. Et à mon avis, les contrôles devaient être des trucs spéciaux parce que... Avec le digital, ça donne rien. Hein. Non, c'est juste injouable. C'est tout juste injouable. Roll forward to throw the shoe. Ok. Peut-être au trackball ce truc. Ouais, ouais, ça va être au trackball. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va quitter. C'est injouable. Et on va nous faire le dernier qui nous reste. Ceci étant, on va revenir sur d'autres jeux après. Et vous avez prévenu, hein. Si on n'a plus rien, on va devoir revenir sur les jeux. Et ça va être très moche, déjà que toute la matinée a été moche. Ah. Alors, Skulls and Crossbones. Hein? Un jeu de pirate, c'est peut-être meilleur que le reste, hein? Qui sait? Avec un coup de chance. Ouais, non, je crois pas que j'aurai cette chance. Salut! Et comment on fait pour se retourner? Oh oui, d'accord, c'est un bouton. Ok. Quoi? Pourquoi il me fait revenir là? Ok, on va prendre Easy. Hein. Ah là là. Et Doug Boom qui trouve ça pas mal, ok. Bon, ceci étant, je vous ai habitué à vraiment de la merde depuis ce matin. Donc ne t'étonne pas, Data. Oh là là, ça se calme. Salut le bourreau!
Ah, c'était Perros Flores. Ouais. Ah, ça nous rappelle de bons souvenirs. Hein. Le petit site tout rose. Ah non, au final, celui-là est moins mauvais que les autres, ouais, c'est vrai. Pas génial, mais moins mauvais. Au moins, il y a un style. Oh, mais non. Oh non, mais les bruitages, quoi, mon dieu. Et salut Zizi, Zizi. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Alors, juste 3 secondes, hein. C'est juste que je perds mon temps. Ah là là, c'est beau. Ah mais vous êtes beau, hein. Ah t'as vu Doc Bomba. Ah oui, là oui, ah j'avais pas vu le... Pourquoi je pars en mode automatique? C'est quoi ce truc? Genre je suis invincible. Oh c'est nul. Ah non mais oui, non mais t'es toujours le même hein. Celui qui perd son temps. Non mais sérieux, achète-toi une vie quoi, sors dehors. Et sur ce, je vous conseille de l'ignorer, comme je vais le faire. Juste une attention war de plus. Avec un VPN et qui sait l'utiliser. C'est génial. Salut le perroquet. Allons-y. Oh merde, on a l'impression qu'il va crever le perroquet. Comment ça, let's go? Sauter là? Ah mais... On va se retrouver vite au dépourvu, je peux même pas le toucher. Apparemment lui peut me toucher. Oh c'est nul. Oh c'est nul. Comment ça dépêche-toi? Mais on sait que... Viens me rejoindre. Ah non en fait il est vraiment pas terrible du tout quoi. Ah je cotorep. Ah, salut Eltan! Et comment vas-tu ce matin, Eltan? Allez! Tue-moi ça! Ah, on peut monter! Intéressant! The pain?
Ok, non, mais je vais rage quit. Hein. On va se remettre un jeu. On va se remettre Batman, tiens, après la pub. Mais là, on va se mettre une petite pub. Hein, le temps que... Bah, je souffle un petit peu. Hein, parce que là, il est grand temps que je souffle avec toutes ces daubasses infamas que je me suis tapé. Hein. Bref, on va y aller. Une petite coupure pub. Et à tout à l'heure. Voilà, là on est de retour normalement. Tout va bien se passer. C'est Data Reaper, hein, c'est l'odeur de la cendre. On est là jusqu'à midi, c'est du spécial Atari. Et j'ai épuisé tous mes titres. Enfin, ouais. Faut dire aussi que les titres qu'il y avait, c'était vraiment, vraiment de la merde. Vraiment, vraiment. Et le seul titre qu'on m'a dit que c'était à peu près potable et qu'on veut qu'on me remette, c'est Batman. Enfin, on va y retourner, hein. The Batman. Alors, où est-ce que c'est que ça? Arcade. Voilà. I'm Batman. Trop bien. Go sur Mario The Lost Level. Ça y est, il a vu la vidéo, il est ambiancé. Oh. J'ai pas envie de perdre des neurones. J'en ai déjà perdu assez ce matin. Voyons. Ah, salut Eldo! Et qu'est-ce que je voulais dire? Bien sûr, non, c'est bon, non. Je voulais faire un instant auto-promo, mais non. Je ferai ça. Je ferai ça tranquillement. Donc, tiré du premier film de Batman, le seul et l'unique. Celui que j'aimais bien, d'ailleurs. Avec le Jack Nicholson. Be careful. Alors, ça j'ai pas compris quoi. D'un côté t'as 7 vies gratos et de l'autre 3 vies. Bah tu vas choisir 7 vies quoi. Pourquoi te faire chier? Comment ça être, tu n'aimes pas ce film? Moi j'avais adoré moi. Oh.
mais là au moins la ménémité est pas trop dégueulasse. Alors certes c'est pas génial, mais c'est pas dégueulasse. Puis un semblant de musique aussi. 4 Mario, c'est quoi ça, 4 Mario? Encore une espèce de copie comme Unfair Mario? Ah oui, ça n'a rien à voir ça, Batman Forever et Batman et Robin. Et on détruit tous les passants, hein, les civils, tout ça. Rien à foutre. Ils vont tous y passer. Oh non, mais les jets d'acide, quoi. Excusez-moi, hein. Je regarde le chat en même temps. Excusez-moi du bruit infâme. J'aurais dû couper le micro, mais là... Oh là là. The Batman. Ah oui, ça si vous reconnaissez pas, c'était issu de la première série Batman. Je sais pas si vous avez vu la série Batman, qui était absolument géniale et dégueulasse. Ouais. D'accord, moi j'avais l'impression que j'avais complètement bugué là. Le premier film était excellent. Moi c'est simple, c'est celui que j'ai préféré. Je préfère même le premier film aux derniers qui sont sortis là, le Dark Knight. J'ai trouvé qu'on a fait beaucoup de flan pour pas grand chose au final. Ça a pas de bon. Non non. Rien à voir. C'est du Tim Burton quand même les mecs, hein. Faut recadrer, hein. Et je suis en train de me faire tuer à l'infini. C'est trop bien, vous voyez trop du super jeu ce matin. Complètement déconcentré. Voilà, casse-toi la gueule dans l'acide, ça te fera du bien. Wait till they get a load of me. Ah, ok. Moi, je les ai même pas vus, les films des années 70. Moi, tout ce que j'avais vu de ces années-là, c'était la série, quoi. Parce que dans ce cas-là, si tu me parles de films de Batman...
Il y avait aussi des films super géniaux sur Spider-Man de la même époque. On récupère le Batrang, salut. J'avais oublié la petite boîte rose. Trop génial! Alors avançons. Et tentons d'avancer. Oh mais la musique qui veut plus rien dire là. Et mon skill qui veut plus rien dire non plus. Allez! On y va! Oh mais ce jeu m'inspire autant qu'une pluie en novembre quoi. Et il faut éclater les ballons parce que je suis sûr que ça va te buter. Oh merde, il est dégueulasse ce jeu. On dirait presque un jeu Ubisoft sur Super Nintendo quoi. Je dis presque hein. On est vraiment pas loin. Ouais, on est vraiment pas loin. Ah, quel c'est préféré le jeu de pirate. Ceci étant, le jeu de pirate au niveau de la maniabilité était vraiment dégueulasse, hein. Là, ici, on se rapproche d'un jeu moyen, quoi. Ça va, si ce n'est que c'est assez inintéressant, au final. Parce que là, dans le genre pas terrible, ça se pose là, quand même. Ouais, le Joker. Il m'a buté. Salaud. Voilà, on va essayer de s'en débarrasser. Ah non, d'accord. Alors juste 3 secondes, hein, voilà, une petite pause. Oh là là. Non mais dans la série télé Duck Bomb, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une scène qui était assez géniale avec le spray anti-requin. Ils font du surf et ils sortent un spray anti-requin quoi, genre ça existe. Et je sais pas si c'est de ça que tu parles d'ailleurs. Ok. D'accord, il va falloir que je m'y fasse, hein. Beaucoup trop fort. Ou alors c'est moi qui suis trop faible, mais dans tous les cas, il me bat à l'infini. Ok. Là, il commence à me saouler le jeu.
J'ai gagné, mais j'ai perdu. Ok. Comme tu veux. Oh là là. Et salut, est lourd. Eh oui, le titre est vraiment lourd. Paye ta strat. Ah, est-ce que j'ai fait le paye ta strat? Oui, je vais le mettre en ligne à midi. Je l'ai enfin fait, ouais. Parce que là, ces derniers jours, j'ai eu vraiment pas mal de choses à faire et paye ta strat en plus, j'avais totalement failé l'enregistrement à un moment et comment vous dire que j'ai pas eu le temps de le refaire deux fois. Et donc du coup, oui, il a été totalement uploadé. D'ailleurs, une autre bonne nouvelle, pour ceux qui suivent un petit peu mes actus, c'est que YouTube m'a remis mon compte comme avant. Ah, salut Raïs. À quand ta tronche sur les streams? Ah ah. Ça c'est une arlésienne. J'en ai déjà mis, je l'ai déjà mis ma tronche une fois sur un stream. Même sur plusieurs streams, je raconte des bêtises. Mais j'avais fait ça sur... sur Twitch. Et le truc, c'est que j'aime pas mettre ma tronche sur les streams. Je suis vraiment pas fan du truc. Après, pour d'autres, ça leur réussit, comme à Eltan, Mister MV, tout ça, mais moi, non. Mais... Ça a fait fuir le public? Bah, même pas. Pourtant, je croyais, hein, mais non. Je suis pas encore assez moche pour ça. Par contre, si je veux faire fuir du public, des fois, il suffit que je parle. Ah bah voilà, débarrassé. Ah oui, on a récupéré la pupute. Comment ça, vous aimez pas les nudistes? C'est bien d'être tout nu. C'est naturel. Et puis surtout, quand on a cette température-là à l'extérieur. Là, j'ai pas envie de m'habiller, hein, vous m'excuserez. Et j'ai même pas envie de m'habiller pour aller dehors. Et parle-nous de Star Trek The Movie The Game. Oh non. Oh, ce jeu qui veut pas se jouer en multiplayer online, quoi. Mais en fait, même quand il fait froid, je suis tout nu, donc... ça me pose aucun problème. Oh, Seiko. Cette phrase a double sens. Ah, génial, on est encore mort. Non, mais non! Le Batrang. Can't catch me! Enfin, si, on va essayer, quand même. Un bravo, Data. Un bravo, bravo. Bravo. Ah bah oui, depuis live, Duck Bomb. Depuis live, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Waouh, ça commence à devenir vieux, tout ça. Ça commence réellement à dater. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Petit instant auto-promo, hein, vu que vous me demandiez. Alors, juste un truc. Ouah, ce bruit. Donc, si vous avez aimé ce stream, il faut surtout pas hésiter à me follow sur Twitter, Facebook, ainsi que Twitch, où je vais streamer de plus en plus, vu que je ne suis plus... Non, j'ai pas encore fini. On va changer de jeu. C'est juste que je voulais vous mettre quelques petits liens. Donc sur Twitch, vu que je ne suis plus sur la Live Play Prime, je crois que ça s'est vu.
même si apparemment certains ne le savaient pas hier. Data, tu dates déjà? Ah oui, je date, oui. Pas de jeune fille de 14 ans aujourd'hui, Data. Ah non, 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 ça c'était mardi. Donc n'hésitez pas à me follow pour savoir ce que je fais les prochaines fois, tout ça, enfin bon. Et si ça vous plaît, tout ça, n'hésitez pas! Alors, on va changer de jeu. On va se remettre quoi? Oh, Guardian in the Hood, of the Hood? Le jeu génial avec des images de synthèse? Enfin, images de synthèse, non, même pas, des photos, quoi. 4 Mario, non, mais non. On reste sur Atari. C'est déjà assez pourri. Le premier, tu étais pas là. Tu veux qu'on se remette ce jeu fait sous LSD? California Speed. Ma bite en image de synthèse. Ouah, ça a été rapide là. Ok. Hop, on y retourne. Inexus, non, non, il marchait très bien cette nuit en fait. Il marchait très bien. D'ailleurs, j'ai pu me télécharger le. Comment s'appelle Donjon et Dragon. Que j'ai acheté cette nuit parce que franchement, c'est un des meilleurs jeux qui existent. En tout cas, dans le genre. Mais. Ah ouais. Alors. California Speed. Un jeu où il faut 3 crédits pour jouer, hein. C'est particulier. Hein. Ils ont cru que leur jeu était bon et que les gens allaient pouvoir mettre 3 pièces dans leur machine. Et Silicon Valley. Ah bah automatique hein. Déjà qu'on a du mal à contrôler quand on est en direction en automatique, et j'imagine même pas. Oh là là, la Racing Queen quoi. Qui est aussi rapide que la voiture. Trop bien. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu ce premier jeu, sachez qu'il est peut-être un des moins mauvais qui sont passés quoi. Mais il reste nul. On soit d'accord. What? Les voitures qui volent, qui me foncent dessus, tout va bien? Je suis en train de lire en même temps le chat, c'est assez dégueulasse pour jouer. Puis bon, même les musiques sont dissidentes quoi. Enfin bref, en tout cas, aujourd'hui j'ai eu le stream le meilleur que j'ai jamais fait sur MTV3. Hein. C'est génial. J'aurais jamais dû choisir Atari. Comme je l'avais dit ce matin, Romy, je le regrettais déjà ce matin, tu vois. Et je crois que je vais le regretter toute la journée. Ah, c'est de la musique de merde, Eldo. On est en plein dedans, hein. Ah, mais c'est pas le public dont je me plains, là. C'est le stream. Le stream, les jeux... Ce matin, avec du fail... En veux-tu, en voilà pour sur le stream. Ensuite, il y a eu du Dailymotion qui s'y est mis. Tout s'y est mis ce matin. Tout. Tout.
les jeux que je stream en plus, hein, on va pas dire que les jeux Atari, bah c'est... C'est la mort en poule du jeu vidéo. Les changements de direction dignes de Fast and Furious. Ouais, à peu près, ouais. Bah c'est la Silicon Valley, cette ville. Vous reconnaissez pas? Là-bas, ils vivent dans des ordinateurs. C'est connu. L'arrivée avec des Racing Queen à l'infini. San Francisco. On va prendre celle-là. Et automatique. Juste un petit coup de pause, hein. Il faut que je me rafraîchisse un petit peu. Ouais, il y a un masque de circuit, mais le problème avec le masque de circuit est que j'ai pas le bon matériel pour y jouer, parce que là, apparemment, ça a été prévu pour un volant. Eh ben, j'en ai que deux. Celui-là, il date de fin années 90, mais alors je saurais pas te dire la date. Attendez, 98, si, j'ai la date, ok. 98. Et puis les voitures collent à la route, hein, c'est... Oh là là. Dans un jeu moderne, là, la voiture aurait fait déjà des sauts de 50 mètres. Là, non. Non, non. Ah non, mais on me met des problèmes de mathématiques sur le chat. De mieux en mieux. Et 98 pour rappel, hein, la Dreamcast était complètement sortie. Hein. Et là, c'est carrément impardonnable d'avoir fait une chiasse pareille. Hein. Et salut Sentry! Ouais, non, mais la voiture, c'est même pas la peine, quoi, c'est. C'est une limace. Elle taille sa route et, quelle que soit la vitesse, elle reste collée, quoi. On dirait GTA 5. Ah mais GTA 5 est carrément plus laid que celui-là, hein. Non, attention, faut pas plaisanter, hein. Et puis bon, si vous saviez la place que ça prend sur le disque dur en plus. Celui-là il prend 1,2 giga, il me semble. 1,2 giga pour ça. Punaise. Ok, on doit refaire le Silicon Valley, ok. Ouais, non, mais le problème, c'est que j'arrive pas à sélectionner avec, avec les commandes. Je suis sûr qu'il est moins bien fait que celui de GT que Gran Turismo, de quoi vous parlez du... 1,2 giga pour modéliser les meufs. Ouais, tu parles. C'est juste des photos. Ah!
Non, mais on se demande d'où ils les sortent, en fait, hein, leur place, là. Non, non, ce jeu me dépasse, en fait. Il me dépasse carrément. Même si je suis sûr qu'on peut, qu'on pourrait même s'infiniser là-dessus, hein. Il est pas si mauvais que ça au final. On a vu bien pire. On a vu bien pire ce matin. On a vu le beat'em all en image digitalisée qui était juste infâme. Que ce soit graphiquement ou au niveau des contrôles. Il y avait aussi le... Comment il s'appelle? Le jeu où il fallait sauter partout! Et on ne comprenait rien, je suis sûr quand même les développeurs n'ont rien compris. Enfin bref, on est chez Atari quoi. Cet éditeur qui est pas mort plus de 3 fois. Hein. Ah mais oui, on t'avait même pas vu toi. Ah oui, le jeu sous la flotte aussi, oui. Bah apparemment les arbres c'est un effet accélérateur, ouais. Ouais. Faut pas faire attention. Tout est spécial, hein, la physique, la... les graphismes, l'esthétique. Les musiques, puis les musiques, quoi. Il est speedrunnable. Ah, j'ai jamais vu, moi, de speedrun de jeu de bagnole. Pourtant, ça serait faisable. Salut, mesdames. Bon, de toute manière, nous, on était ensemble jusqu'à midi, hein. Alors, Arkane, Road Rush, c'était un jeu de moto où tu défonces la gueule à coups de chaîne. Ouais, ouais. Et Road Rush, à l'époque, il était garanti, quoi. Excellent jeu. D'ailleurs, je vous conseillerais, moi, la version 32 bits, digitalisée. Parce que pour une fois qu'il y avait un jeu avec des photos digitalisées qui étaient extrêmement bien faits, c'était celui-là, quoi. Le Road Rush, qui était sorti sur 3DO, Saturn et PlayStation. Enfin bref, ouais, moi Road Rush, je lui voue un petit culte en fait. Et salut Dolian, juste au moment pile poil où je vais devoir bientôt rendre l'antenne. Je vais aller voir si Iceman est là. Voilà. Hello, je suis prêt. Ah, et rendre l'antenne. Voilà. Donc là j'ai envoyé le message, hein, et on va changer de jeu quand même, hein, parce que hein, on va pas rester sur celui-là. Et salut Koub, on va refaire du flashback, hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme belle dobas? Ouais, Guardian of the Hood. Allez, on va se le remettre celui-là. Il était bien dégueulasse. Ah oui, le son aussi est dégueulasse. Ha ! Évacuer tout ça. Mais non, il est midi, on va manger. Ah mais y a pas que les tympans, regardez les images, tout va avec. Avec des mecs qui ont des gueules de porte-bonheur. Y'a pas à dire. Ok, Iceman qui me dit qu'il arrive. Alors.
Voilà. Et donc, flashback sage sportif. Alors, mettons des crédits. Et n'oublions pas, celui-là aussi, il te bouffe un crédit pour passer d'un stage à l'autre. C'est au cas où on aurait oublié qu'on avait mis de l'argent là-dedans. Hein. Je saigne des yeux et des oreilles. Alors, qui on va prendre? On va prendre Tania, Ravière, Chief ou Connard. Bon bah ça va être Ravière alors. Et voilà, et Joker qui s'est bouffé hein, Michael Jackson, hein, comme je vous l'ai dit si bien tout à l'heure. Et la maniabilité finie à la piste, j'avais oublié. Et le mec qui nous envoie des clodos à la gueule, quoi. Non mais non. Ok, bonne journée à toi, Itmaz. Ah oui. Si vous l'avez pas vu ça, hein, il faut savoir ici que les PNJ qui n'ont, enfin les PNJ qui font rien sont plus forts que toi. Mais ça va, arrête de me taper là, ça va, c'est bon. Non mais en fait c'est la fille qui est plus forte que toi, regardez, regardez. Juste ça. Ah là, tu la frappes, elle te frappe en retour. Et elle te fera mal. Elle va prendre la fille. Bonjour Instant Chun-Li. Et pareil, hein, la petite vieille, elle fait du kung-fu. Normalement. Pourquoi elle me frappe pas? Ce matin, elle faisait du kung-fu tout à l'heure. Voilà, si, voilà, tu vois. Elle se retourne contre toi, quoi, c'est... Hélicoptère avec ses jambes, bah ouais. Enfin bref. Allez hop. Pour le coup, Iceman est là. Et on va lancer les pubs, hein, un petit... les petites pubs, et puis Iceman va reprendre l'antenne, hein, pour... comment ça s'appelle? Ouh, je suis fatigué, moi, ce matin. C'est vraiment pas bien, je suis désolé. Pour le tournoi FFA Code, hein. Donc, hop. Je vais vous souhaiter une bonne journée à vous, merci d'avoir suivi ce stream, même si on a joué qu'à des jeux mauvais. Bref, ça ne se reproduira plus, juré promis. Hein, c'est... Et je vous dis à bien plus tard, enfin à bien plus tard, à demain pour le copement vôtre avec Aeltan. Et puis, si jamais vous voulez savoir ce que je vais streamer dans un proche avenir, ou dans la journée, ou après-demain, enfin bon, ça va dépendre, parce que j'ai un programme qui est relativement chargé en stream, n'hésitez pas à me follow sur Twitter et sur... Facebook, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que je stream tout ça, enfin bon. En tout cas, si vous avez aimé ce que j'ai streamé ce matin, sachez-le, je ne vais pas restreamer ce que j'ai streamé ce matin. En général, je fais du bon jeu. Enfin bref. Allez hop, pause pub, et ensuite, c'est au tour de Iceman. Bref, à plus tard, et bonne journée à vous.